maintenant, ça fait le 3, 4e, 5e dirigeant Carrefour qui ont des plans de restructuration de l'entreprise. Pour nous, ça n'a rien changé. Ils ont fait que de suivre la concurrence successivement. Ça a été les drives. Là, on se retrouve à la rue au niveau du e-commerce. On se retrouve à la rue au niveau du bio. On se retrouve à la rue partout. On essaye de suivre la concurrence qui va à grands pas. Je prends l'exemple de Amazon qui sont en train de développer des systèmes de fonctionnement qui sont complètement... on paraît complètement obsolète, et là on est en train de dire ah bah oui, bah l'hyper ne fonctionne plus, donc on va réduire les surfaces de vente de 100 000 m² d'ici à 3 ans. On va développer la proximité, mais tout ça, ça a déjà été fait, refait. C'est juste des plans successifs pour remonter le cours de bourse pour les actionnaires. S'il avait fallu investir depuis des années, clairement pour l'entreprise et pour que ça aille mieux, il l'aurait fait depuis des années.